De retour mesdames et messieurs sur Gaming ES1 pour la suite de cette semaine 5 de LFL. J'adore un petit passage de chez mec. Ça n'a pas trop de sens. Tellement la classe. Mais il a quand même la classe. C'est ça qu'on aime avec chez mec. Ça a quand même la classe. Je suis tout à fait d'accord. Mais la tenue Vitality y est pour beaucoup. Je la trouve très harmonieuse. Le match qui nous attend, vous voyez derrière nous, Guns of Authority contre MCES. Deux équipes qui ont des classements qui sont à peu près similaires. Mais des stats qui paraissent quand même pas mal dans le rouge hein, côté MCES. Les Absolument. Dernières semaines n'ont pas été dingues. Absolument. MCES, ils ont commencé face à Solary, face à AAA avec leurs deux victoires. Et du coup, c'est un match retour qu'on attend, à mon avis, du côté de l'équipe au triple A. Ils ont énormément progressé ces dernières semaines. Ils ont été capables de jouer des compositions très agressives. Je pense notamment au Lee Sin de Karim KT, ouais. Qui est tout simplement il monstrueux. Il a été spectaculaire, ouais. C'est la semaine précédente. Exact. Et du coup, je pense qu'ils ont à cœur de montrer à ses adversaires, à CMCES, que... Ils sont capables d'aller les chercher maintenant. Ouais, ils sont capables parce que justement les MCES, c'est pas moins de 5 défaites d'affilée. Hein. Gamers Origin, LDLC, Misfits, Vitality et Rogue. Oh, le ban de Ivern que nous attendions tous, Twix. Sale. Bien sûr. Très ugly, ban de Lucian, c'est bien. J'aime bien quand Lucian est ban, quand il y a MCES, comme ça il n'y a pas de conflit d'intérêt entre le pick Kyriade et le mid laner des MCES évidemment. Exact. Stylus avec une musique, attention, c'est rythmé au niveau de la régie là, c'est pas mal. Au rayon sol de Cédric. Effectivement, les pocket picks du mid laner de la team AAA. On va supprimer Zoé qui s'impose comme l'un des champions les plus importants de la mid lane. Et la Cassio finalement de Cédric supprimé, voire de Dreamswoop. Absolument, c'est mardi. Fred pour le first pick, Caitlyn. Voilà un first pick qu'on ne voit pas souvent quand même. Est-ce que ça vaut le coup? C'est agressif. C'est vrai que 9.3, on s'attendait au grand retour de Caitlyn. Ça a plutôt ramené des champions tels que Sivir sur le devant de la scène. Ouh. Bon, si on first pick Caitlyn, c'est qu'on a envie d'avoir, une Jolene gagnante qui domine, qui a le push. Qui push. À mon avis, on a une stratégie du côté AAA. Peut-être une Karma, une Soraka, un truc un peu vicieux à prévoir pour la botlane AAA. Une Morgana serait intéressante aussi. Morgana, effectivement. Jarvan et Victor, les deux flexables, hein, mine de rien. Ça peut aller top, ça peut aller mid, ça peut aller jungle. Ah oui, le pick de Nocturne, d'accord. Bon, à mon avis, ils ont une idée très claire derrière la tête sur leur plan de jeu, les AAA, c'est avoir une Jolene qui a l'avantage du push pour couvrir la montée en puissance du Nocturne. Une fois qu'on a le niveau 6, on peut s'attendre à de belles choses, peut-être un pic de Galio du coup, avec Nocturne. Galio support, pourquoi pas effectivement pour les AAA, je pense que Galio Caitlyn, ça m'a l'air d'être un duo qui marche. Honnêtement, plus ça va y avoir des petits... ce sera un trèche, mais... il va y avoir beaucoup de goulots d'étranglement, cataclysme, champ gravitationnel, donc c'est pas trop mal d'avoir... Enfin, ça aurait été pas trop mal d'avoir de l'AOE. Peut-être un Galio mid, comme à l'ancienne époque, on verra. Pour l'instant, un trèche. Ça reste en haut, bien sûr, de la tier list, et surtout, c'est très dérangeant contre Jarvan. On peut toujours annuler les combos avec un bon flay. Donc, à voir. Et sortir quelqu'un du cataclysme avec une bonne lanterne, donc... Voilà, une Jolene qui peut être très gênante pour les MCES. Et finalement, j'en parlais juste avant. La réponse en plus face à Caitlyn, c'est Sivir. Sivir qui est historiquement l'une des meilleures réponses à ce champion. Parce qu'avec avec le spell shield, tu peux enlever les traps, tu peux wave clear avec ton spell plus ton Z. Absorber donc, les sorts, les tenir, outils. Tenir le push de la quête. Voilà, une réponse assez logique de la part des MCES. Absolument, une très bonne réponse. Alors qu'on est rebondi dans la musique. Le Kennen de Fred. Hein. Fred qui a fait une très très belle performance sur Kennen. Dernièrement, il trouve à chaque fois des bon flanks assez efficaces, assez explosifs. Et on ne peut pas voir ça. Et Jace qu'on ne voudrait pas voir également. Jace qui est toujours présent. En théorie, les MCES qui se sont prémunis contre ce Jace, je pense, avec ce pic de Victor top, qui à mon sens se débrouille plutôt pas mal dans ce match-up. Oui. Et qui est peut-être un des seuls d'ailleurs hein, qui... subit ce match-up sans accro, voilà un ban qui est étonnant par contre. Ça va, Urgot ça a été certes nerf, c'est plus God tier, mais ça reste quand même à mon avis un champion assez intéressant. Même quand on a le potentiel de jouer Victor top. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Oui. Bon, il a l'air d'être mid hein, du coup. Voilà, Victor peut-être flexé, donc on maintient l'écran de fumée du côté MCS et on ban la Riven de Kazé. C'est dommage qu'elle soit ban. C'est le ban du respect ça. Franchement c'est dommage parce que sa Riven elle est ultra clean avec le nouveau Conqueror. Évidemment Riven c'est costaud. J'aurais beaucoup aimé voir Kazé sur ce pick mais j'imagine que voilà, chez A on n'est pas pour le beau jeu. Ce sera Karma.
pour accompagner cette civière sur la botlane. Allez, parti. Non, c'est le parti pris. Pas loin. C'est osé de piquer Alistar après Thresh. Oui, parce que là, honnêtement, Yorai, il peut avec un flay ruiner le destin de deux champions adverses. Oui, oui. Là, s'il time bien son E, Yorai, ben, c'est comme si Alistar n'existait pas. Bon, voilà. On a un autre problème chez côté AA, c'est que Karim Kate, il est un petit peu tout seul devant. Hein, tout seul en front line, ouais, tout seul pour tanker le baron, tout seul. Faudra envoyer du monde, une composition 1-3-1, donc qui est drafté par le Against Authority. Complètement 1-3-1 d'ailleurs. Très avec bien. Donc le Nocturne qui sera là pour aider sur les side lanes. Et Caitlyn Thresh, voilà, pour essayer de hold up. Ils peuvent prendre Jace. Ils peuvent totalement prendre voilà, Jace, total, les AAA, parce que là du coup ils ont un double flex pick. Oh, le Yorick, c'est vrai, qui reste disponible. Alors, peut-être pour Fred. Les solutions, quelles sont-elles? Est-ce que... Poppy. Est-ce que Trundle ça marche? C'était ma question. Trundle face à Yorick. Yorick. Avant ça marchait de avec fou. De l'anti-heal peut-être. Ce serait, serait effectivement envisageable. Ouais. Shogat aussi. Voilà, Shogat de toute façon c'est compliqué à sortir de lane. Allez, on voulait un Yorick. Le choix de Poppy est intéressant face à Alistar, face à Jarvan pour contrer un petit peu leurs engage. Elle est incroyable hein, quand même. Les possibilités de counter côté AA sont, ouais, sont nombreuses. Hein. Par contre, on n'a qu'un seul speed pusher du côté AAA. Ouais, ça pourrait poser quelques soucis. Peut-être deux si on prend en compte la paranoïa de Karim Kate. Avec un trio de défense qui pourrait être Fred, Drimsou, Yorai. Ouais, c'est plutôt du backup de Split Pusher, je trouve, Nocturne. Mm. Mais bon, voilà, un Ryze c'est très fort pour Split Push. Avec un Nocturne, ça peut bien fonctionner. Sur la botlane, comme on l'a souligné, on a quand même, je pense, un gros avantage du côté de l'équipe au triple A. Le match-up Thresh contre Alistar, normalement, est largement à l'avantage des AAA. Il va falloir faire parler maintenant les mécaniques. Absolument, et on a les compositions qui sont validées, pas de flex de dernière minute. J'ai cru voir une seule téléportation côté red side, mais on aura la confirmation ultérieure. On n'a pas trop parlé de Moops. Moops, effectivement, qui a rejoint les MCES, donc qui a fait un passage sur le coaching staff des lions qui sont fous, donc des malades en LVP. Il est revenu relativement vite, ouais, d'ailleurs. C'est vrai que ça a été de courte durée. Voilà, ça soulève deux questions. La première, voilà, c'est définitif, voilà, comme vous pouvez le voir, mais pourquoi s'être séparé de Hungry Panda? Hungry Panda, j'étais regardé un petit peu justement au niveau de ses picks, au niveau de son KDA. Bon, c'est un petit peu faiblard, effectivement, c'est un support qui mourrait beaucoup, mais en soi, bon, c'est pas trop étonnant, j'imagine que bon, on reste toujours derrière Treyton hein, au niveau de ses stats. Ça jouait Thresh, Morgue, Tahmkench, Brome, c'était dans l'air du temps, peut-être une mésentente avec Mi. Voilà, Mi, c'est quand même un certain caractère sur la botlane. Voilà, il faut être capable de composer avec lui. Et puis aussi, je pense que l'une des faiblesses peut-être des MCES, c'est qu'il y a de très fortes individualités dans l'équipe. Je parlais de Mi, il y a également Kazé. Et je pense qu'un support d'expérience comme Moops, qui a une grosse expérience en LEC, anciennement LCS, il a fait d'ailleurs un petit passage en tant que coach. Donc bien évidemment, je pense qu'il a quand même une vision globale. Il doit avoir une capacité à shot call. Ça peut être l'élément qui manquait au MCES pour être... efficace et pour pouvoir tenir tête peut-être au milieu de tableau, au haut de tableau de la LFL. Ouais, MCES bien sûr, une équipe qui, bon, il y a des joueurs francophones, puisque Moops bien sûr est un joueur belge, Amaury, mais nous avons aussi Lucian à Esthétique, qui donc ne sont pas francophones et qui pour le coup, voilà, on va bénéficier de l'expérience de Moops aussi au niveau de la com interne, puisque Moops c'est quand même, enfin c'est un sacré dinosaure en fait, hein, ouais, sur League of Legends. À l'époque, bon, il a fait les passages en LCS avec Super Hot Crew, avec Gambit, où il remplaçait de temps en temps toujours... quasiment dans le top 20 du ladder, on a l'impression, avec son petit pseudo Lurikin, en hommage à Dark Age of Camelot, bien sûr, feu Dark Age. Enfin bref, voilà, un joueur qu'on apprécie beaucoup, bien sûr, un joueur très ancien, et un joueur qui va peut-être inverser la tendance côté MCES. On vous le disait, 5 défaites d'affilée pour MCES, et il est temps voilà, d'aller regarder un petit peu de plus près ses statistiques, ou les statistiques principales dans le comparatif. Forcément, on regarde beaucoup plus ici, hein. Les AA qui, voilà, ils sont flamboyants, ils sont rutilants, ils aiment mettre du rythme dans la partie avec 71,4% de premier sang et de première tour. Ouais, identique d'ailleurs, c'est étonnant. Et une moyenne de kills par match aussi qui ne démérite pas, Twix. Elle est très élevée et au contraire, côté MCES, on ne kill pas beaucoup. Quand on perd sèchement, mais encore une fois, ce sont des statistiques qui... voilà, sont exposés sur 7 games, et sur 7 games, on vous le disait, donc 5 défaites pour MCES, donc 5 d'affilée.
Donc naturellement, les voyants sont dans le rouge. Ouais. Une raison particulière à cette chaîne de défaites MCES, on a vu beaucoup de choses être tentées, notamment la Riven de Kazé, on a eu un Yorick aussi de la part de Kazé. Enfin, un Jax. Le Jax également. Ouais. On a eu beaucoup de choses différentes qui ont été tentées dans la jungle. On joue un champion par game, quasiment, sauf qu'on a joué deux Kha'Zix. Est-ce qu'on serait pas en train de se chercher, tout bêtement, pour MCES? C'est littéralement ça. En tout cas, nous voici dans la feuille de l'invocateur pour cette troisième game de la journée opposant les AAA au MCES. Twix, nous sommes partis. On est parti, on va voir un petit peu si la crise touche à sa fin pour MCES et si Against the Authority, eh bien, aura un handicap puisque l'équipe n'était pas présente en tant que five-man roster à la Lyon eSport 2019, qui c'est est vrai. L'événement qui a remplacé cette semaine de LFL, entre guillemets. C'est vrai, donc sur le papier, peut-être un week-end avec un peu moins de pratique, comme tu le soulignes. Mais un peu plus reposé. Un peu plus reposé, voilà. Donc, choisir ses sacrifiés. Peut-être des arguments à faire valoir. En tout cas, voilà, on rappelle qu'au match aller, AAA s'était incliné face à MCES, sauf que depuis cette époque, ils ont énormément progressé. Ils ont été capables de jouer beaucoup plus agressif. Et côté MCES, on a un changement au niveau du support. Nous en parlions. C'est Moops maintenant. On va voir si ça suffira pour permettre au MCES peut-être de se remettre à gagner. Alors les runes maintenant. On a Poigne de l'Immortel pour Fred sur une top lane contre un Vladimir Phase Rush. Bonne chance pour stacker tout ça. Kazé qui aurait même pu se permettre de jouer en kleptomancie, hein, très franchement. Oui. Le manque de phase rush aurait été compensé par, évidemment, le cataclysme de l'esthétique. Mais un choix différent a été fait, le choix de teamfight plutôt que le choix de lane. Vous pouvez voter bien sûr sur le chat si vous nous regardez directement sur Twitch. Si vous êtes sur ES1, bah, venez simplement. Against Authority ou MCES. Phase rush pour Cédric. Jeu de jambes pour Dreamsu. Bon, on veut jouer la lane, on veut jouer la domination de lane. Voilà. Oh, c'est pas très. Voilà. C'est signé. Et du coup, voilà, regardez sur la minimap, on voit directement le push qui a été pris par la duo lane AAA. Ouh. Alors qu'on a Esthétique qui, d'entrée de jeu, propose du counter jungle. Il sait que le Nocturne de KMKT a start bot side. Et en ce moment, c'est très à la mode de récupérer les golems en second camp parce que c'est le camp qui donne le plus d'expérience. Ouais. Et il permet, c'est le seul camp qui permet, lorsqu'on le fait, eh bien, de passer niveau 3 en faisant uniquement 3 camps. Ouais, avec le Carab derrière, certainement pour KMKT. Mais du coup, on a été vu, hein, au niveau d'esthétique avec cette ward qu'on voit juste au-dessus. Donc, il n'y aura pas de problème. On va partir en jungle vertical. Oh, le gank peut-être sur la mid lane niveau 2 de la part d'esthétique. Bon, face à d'ailleurs. Cédric qui est très avancé. Cédric en plus qui est mid life. Va falloir être actif sur le flash. Cédric, attention, on applique le slow avec le red buff. Cédric qui dispose de son flash. C'est bon, ça ira, mais ça coûte un summoner. Un petit flash de récup ici. KMKT transition niveau 3 avec un petit bonus de mana s'il vous plaît et une veille bien sûr parce qu'il nous manque un buff. Et esthétique, esthétique niveau 3 également, il a la priorité du push sur la mid lane. Sur la bot lane, c'est pas pareil, la peine capitale qui touche. Et il attend pour cancel le combo. Et il attend, il ne réussit pas. Le buffer était parti à esthétique qui s'en sort ici. Arbitre, admin, pourquoi ça n'a pas cancel? Il avait accroché son drapeau. Il s'en est fallu de peu. Disons qu'il s'en est fallu de peu. On va dire ça comme ça, attention le hook ici. Anticipation du pas en arrière. On va rapidement l'oublier. C'est toujours du pile ou face. Et c'est vrai que quand c'est la mauvaise option, t'as l'air un petit peu bête. T'as l'air un petit peu bête, surtout quand il n'y a pas de bot. Du coup, tu peux pas dire ouais, bot rang 2, c'est bon, il a double dragon des nuages, s'il vous plaît. Non, là c'est vrai que. Là, le lasso, il est parti pour quelqu'un, mais sur une autre faille de l'invocateur. En tout cas, c'était pas celle-ci. Niveau jungle, ça se passe bien pour l'instant. KMKT qui traverse à nouveau la rivière pour aller récupérer des corps. J'allais dire rien du tout, mais souvenez-vous, 9.4, donc c'est les monstres invisibles en mode spectateur. En mode spec facétieux. C'est un peu embêtant. Allez, premier back. Le back, effectivement, du côté d'esthétique. Ça devrait laisser champ libre à KMKT pour faire main basse sur toute la jungle topside de son adversaire. Il se dirige sereinement vers les golems. KMKT pour le moment c'est un niveau de retard sur son vis-à-vis, les golems sont là. Hein. Ouais. Si ne vous méprenez pas, c'est une erreur d'affichage. Et d'ailleurs, esthétique se dirige vers ces derniers. Ouais, il a encore son topside KMKT, donc il va pouvoir continuer. Mais il y a un sabre de l'escarmoucheur pour esthétique et j'ai l'impression en fait il y aurait une opportunité top lane, mais c'est une poppy donc il n'y en a pas. Évidemment, puisqu'on ne peut pas combo une poppy, c'est impossible. Pour le coup, c'est vraiment impossible. Aucun intérêt à passer top lane pour esthétique.
sauf cas très particulier. Évidemment, il n'y a pas de aucun intérêt d'utiliser le Z de Poppy contre Vladimir. Il n'a pas de dash. Et sur cette mid lane, Cédric un peu en difficulté. Hein. On voit qu'il manque cruellement de mana. Il n'a toujours pas récupéré sa larme de la DS. Donc il a plus la téléportation. La pète capitale bien trouvée de la part de Yorei. C'est peut-être un peu de poke à proposer. Oh, Moops. Dommage pour le combo. Ça aurait pu accrocher quelque chose. Esthétique au rendez-vous pour le premier carapateur qui va respawn au niveau du bot side. Et il sait qu'un sur la mid lane, il n'y a plus de flash du côté de Cédric. Cédric ouais. Un peu trop avancé. Et qui recule sur le bon timing, Twix. Absolument, le timing d'ailleurs. Esthétique qui perd un peu de temps ici, mais le carapateur il va être récupéré dans la foulée. On est au crux pour Karim Kate. Karim Kate, Kyle qui a l'air d'avoir une meilleure maîtrise. Ah bah que dis-je, finalement il va pas assez crux. J'allais dire qu'il a une bonne maîtrise de ses timings de réapparition, mais on sent quelque chose bot lane. Je pense que c'est une grosse erreur personnellement de faire perdre son temps à Karim Kate, mais vu le positionnement d'Aesthétique qui a l'air de vouloir chercher un gank. Il s'est montré là. Hein. Et du coup, ça fait tourner les talons à Esthétique. Bon, okay. Petite glissade sur la botlane de la part des AAA. Ça fait perdre un petit peu de tempo. On parle de un camp d'avance pour le moment du côté d'Esthétique. Mais ça va, il y a les golems plus les corvins récupérés pour Karim Kate. J'avoue que ça m'a un petit peu choqué. C'est vrai que c'était pas fou. C'est pas discret. Hein. On attend mieux. On attend mieux pour le milieu de tableau de la LFL. Pour avoir les prétentions d'aller au milieu de tableau. En tout cas, sur cette botlane, toujours une nette domination de la duo lane AAA. Ouais, il va y avoir une rencontre ici à Esthétique. Qui a la visée sur Karim Kate, niveau 5 de passé. Oh, le spell shield. Il n'a pas connecté, il le connecte maintenant justement au portail transdimensionnel. Le 2v2 qui explose. Oula. Le mauvais flash. Le flash dans le mur derrière l'Helvetian qui va couvrir son coéquipier en faisant rempart de son corps. Ça ira, mais ça coûte le flash. Jungler MCES. Ouais, Lucian qui aurait peut-être pu faire un peu plus avec la tempête du chaos, mais disons qu'on sentait pas le moment venu. Disons que les échanges sont assez timides entre les équipes. Ouais, on va pas au bout des choses, toujours pas de First Blood. Oh. Alors que on a deux équipes qui sont des clientes hein, pour les First Blood. On le rappelle, de 70% de récupération. Sur la top lane, Kazé qui n'est nullement inquiété par la pupille de Fred. Non, et on est en train de regretter, je pense, l'absence de la klepto. C'est vrai qu'il aurait pu tellement stacker. Il aurait pu, on est d'accord. Hein. Facilement. On aurait pu se mettre archi bien. Ah, on n'est pas dans une optique enemy phase. Même si je trouve ça dommage, vu qu'on a un Victor, donc on est plutôt condamné à faire beaucoup de lane. Une game qui a l'air d'être longue hein, sur papier. Oui, ça va jouer le scaling. Hein. Sivir Vlad d'un côté, Caitlyn reste de l'autre. On a des arguments à faire valoir qui prennent toute leur ampleur plus la partie dure. Et donc, il va falloir être patient, Twix. Je le suis, nous le sommes. Les Sun's River pour Mi en plus de ça, donc double patience. Les Sun's River qui a été légèrement up sur ouais. Le 9.4 au passage. Et le Carapateur qui vient encore une fois d'apparaître... sur la partie inférieure de la map avec Aesthetic au rendez-vous. C'est pas le moment de scaler un petit dragon sur un timing back de Cédric. On hésite et on n'ira pas, j'ai l'impression. On veut essayer de faire tourner le premier cataclysme. Et tous les flashs sont up chez le Against Authority, donc ce cataclysme-là ne sera a priori pas létal du tout. C'est bien, on prend la vision pour... le jungler MCES, on veut avoir l'info sur Karim Kate. On sait qu'on est sur un timing de niveau 6 sur Nocturne. Disons. Ce qui veut dire paranoïa disponible. Ça domine hein, au niveau du contrôle de la mid lane ici. Ouais, la mid jungle MCES qui fonctionne plutôt bien pour le moment. Prendre l'information le plus loin possible. Belle garde de vision, on va récupérer cette pink ward pour Karim. Et voilà. Le no push land continue. Et on farm, et on farm, et on farm. Et niveau farming, eh bien c'est avantage AA, très léger bot lane. Oh, paranoïa. La paranoïa, on va chercher directement le Victor d'Helvetian. La stopwatch utilisée, le grab mal timé, mais ça suffira pas. Peut-être si le premier sang récupéré, Esthétique qui contre un Karim Kate au flash d'Esthétique très loin, fait l'embrasement double kill de confirmer pour Cédric Twix. Ils s'empalent les uns après les autres sur ce Ryze.
Malheureusement, très mauvais stopwatch de la part de Lucian, mais avait-il le choix? On verra certainement au niveau du replay, mais à esthétique, quant à lui, avait le choix. On aurait pu Cataclysme et combo out. Mais on a Cataclysme, on a mis un coup de javelot, puis on a mis un drapeau. Bref, on a eu une crise d'épilepsie, on a l'impression, sur ce combo. Ça arrive de glisser. Ça arrive, mais je pense que dans l'autre sens, par contre, ça aurait été un mouvement très productif. Ouais. C'est un peu fissuré sur le duo mid-jungle. C'est un Raze qui joue bot de lucidité. Ah, c'est vraiment dommage. Un Raze qui veut être disponible le plus possible via cette téléportation, qui veut pouvoir spammer ses sorts également autant que possible pour tenir le wave clear d'un Victor qui a upgrade son E très rapidement. On va revoir cette phase de jeu. Le support jungle des AAA qui font une rotation ensemble très vite. Ils avaient bien traqué le jungler des MCES. On n'aurait pas pu instant cleanse et flash par-dessus la montagne ici, honnêtement. C'est ce que je me dis. Et ici, là, tu mets un combo, enfin tu mets un cataclysme et combo out sous ta tourelle. En fait. Et après, du coup, tu as le temps de faire venir Moops. Ouais. Ouais, ça, je pense que c'est un peu paniqué. Oh. Attention, Cédric. Extrêmement low HP là-dessus. Il a quand même un shutdown à 500 gold sur sa tête. Il faut pas le jeter n'importe comment. Alors que Karim KT fait son œuvre sur ce héros de la faille. Ouais, MCES qui va maintenir ses faibles statistiques à 15 minutes avec un désavantage de 1000 gold, ce qui reste dans la moyenne haute quand même de leurs résultats. Mais si ça continue ainsi, la sixième défaite pourrait très bien avoir lieu. Avec déjà un premier bounty, première prime pour Cédric. Attention esthétique, attention, le ferme peut se... refermé sur lui au niveau de ce héros de la faille qui va reset. Et Karim KT qui peut bénéficier du soutien de son top laner pour prendre ce carapateur. Les stopwatch qui pullule. Héros de la faille réengagé, j'ai l'impression. Ouais, il y a quand même Yorei qui a fait le déplacement. Il faudrait quand même rentabiliser ce move. Yorei qui se rend disponible sur cette mid lane. On rappelle qu'il n'y a plus aucun summoner du côté du Victor de Helvetian. C'est la raison pour laquelle il joue aussi reculé sur sa lane, sous sa tourelle, bien sagement. Et du coup, les MCES qui font le choix de trouver compensation avec un dragon des montagnes. Je suis pas certain que le choix soit judicieux. Du héros de la faille soit si à l'avantage des AAA Twix. On est en train de counter le red buff, mais le drapeau n'est plus en cooldown pour Aesthetic. Enfin, il est en cooldown justement, donc il n'y a pas de combo de ce côté, il claquera son smite ici. En a-t-il un second pour ce dragon? La réponse est non. Pas dans l'immédiat. Il va arriver vite, il a le temps de commencer quand même. Alors que Karim KT s'affaire sur le top side avec un second blue buff donné à Cédric. Et du coup, ben, c'est un dragon des montagnes concédé. Le dragon des montagnes, on le rappelle, le premier c'est 16% de dégâts en plus. Ouais, il peut c'est être sniper, hein, cela dit. Le meilleur dragon des montagnes, attention, Yorei. Le combo, qui se fait focus, la téléportation de la part de Kaze qui va arriver. Yorei complètement bloqué dans le cataclysme. Yorei qui devrait tomber. Oh, les mots plague par-dessus, le Zonia qui ne servira à rien bien sûr, mais Dreamsu qui est idéalement positionné. Cédric également, il y a une paranoïa qui part en plein milieu, Karim KT qui est en prise avec son propre Zonia. Dreamsu qui est en train de blaster avec son red buff, mais a-t-il suffisamment de dégâts? Il est avec Mel, avec Cédric, ils sont monstrueux, le trio Gets Authority qui fonctionne. En free ça DPS. Fonctionne. En free DPS, le carry AD des AA, Kaze, la dernière auto-attaque aura raison de ses points de vie restants, et Fred qui va chercher le bestial très très loin, en plus dommage. Le team de la quête. Fred va-t-il aller jusque sous la T2? Esthetic fait son retour in extremis, mais pendant ce temps-là, on a lâché le héros de la faille sur la mid lane et c'est la première brique, Twix. Terriblement bien joué, quel team fight de la part de Dreamsu avec un positionnement exceptionnel, un red buff qui a certainement fait plus de 50% du boulot vu la situation. Le fight a été très long, effectivement. Ouais, il a été très long et... Il s'est fait choper ni par Victor, ni par Alistar, ni par Jarvan, ni par Vladimir. Et Aesthetic qui s'est fait imploser, regardez. C'est ouf, hein. Il n'hésite pas à passer devant. Très joli trappe, en passage. Et là, Dreamsu qui exploite très bien son champion. Il ramène Aesthetic dans le trap, ce qui lui est fatal. Il temporise à la stopwatch, ce qui permet à Fred d'intervenir. Et Cédric qui vient fermer la porte de sortie sur... la partie supérieure de la rivière. Il est imprenable, hein, Dreams. Bon, ce piltover, c'est pas grave. Il est imprenable. Personne peut l'inquiéter. Ouais, vraiment, avec beaucoup de respect. Le positionnement de Mi, bien sûr,
un peu plus discutable. Mais voilà, les stopwatch, on en parlait, hein, y en avait beaucoup. Elles ont toutes été cramées ici. Et là, le red buff. Ah là 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 là. C'est... Oh là là, c'est terrible. Le slow qui fait beaucoup de mal au top laner MCES. Et finalement, Twix, ce dragon des montagnes, tombera sous les couleurs de AAA. Et oui. Le 16% donc dans la pocket. Et une Caitlyn qui a déjà sa lame d'infini et 123 CS. Le top trip score qui est pour Lucian pour l'instant. Lucian avec un V. On prononce Lucian ou Helvetian du coup? Oh bah attention, il y a un petit Yoré qui passe. Est-ce que ça fait quelque chose? Non, absolument pas. La contre-attaque par contre ça peut être dérangeant. Yoré, il y a Cédric peut-être. Ulti nocturne. On dit, quand je parlais à Kazé, il disait Lucian, donc après Kazé c'est un gros troll, hein, donc on sait jamais. Hemoplague, on dit Zingaluch. Est-ce qu'il peut réellement inquiéter Fred, Kazé? Ça me semble compliqué vu le montant de résistance magique accumulé par le top laner des AAA. Et là regardez, Karim KT qui semble vouloir offrir son soutien à sa duo lane. Il n'a pas d'ulti Karim. C'est un dive qui se profile, ils sont 4 les joueurs AAA sur la partie inférieure de la map. On n'a pas de téléportation du côté de Kazé. Esthétique qui est très très loin pour le moment. Et la duo lane MCES qui se repositionne intelligemment, respectueusement, qui recule. Absolument, il y a suffisamment de vision d'ailleurs côté MCES pour qu'on ne fasse pas d'erreur de positionnement majeur. Attention à Cédric ici. On va céder le terrain. Encore une fois, Kazé qui doit regretter cette cryptomancie. La laning phase qui dure terriblement longtemps. Ouais, 16 minutes 20. Et on n'a pas encore de swap lane effectif. Le premier brick sur la mid lane en plus de ça. Oh, X-Flash. Bon, il n'y a personne. Il n'y a personne, on vient de gratter cette tourelle. On peut se poser des questions sur le timing back hein, quand même. Oh, la téléportation de la part de Cédric, elle est ambitieuse celle-là parce que toute son équipe est en train d'arriver. Cédric peut-être pour ouvrir la marche, Timsu encore une fois qui DPS de combo proposé sur les midlaners. AAA qui va survivre pour le moment, mais le flanking proposé par Kazé peut-être suffira. Oh, il a marché sur le trap. Attention, les mots plagues universales, la poule. Et Lucian qui va tomber, Ice in the hole. Encore une fois, un bon fight pris par... Cédric et ses coéquipiers, ça devrait leur permettre de déboucher sur cette T2000. Regardez sur la minimap, on a Mi qui est complètement hors de position pour apporter de la défense. Et cette seconde tourelle devrait tomber. La peine capitale qui sera installée par Moves. Moves, il a envie d'y aller là. Moves, il a envie d'y aller. Il veut protéger cette tourelle. Elle est low HP, il faudra attendre la prochaine vague. Va-t-on le faire du côté des joueurs Oh, ils doutent et donc ils n'iront pas. Attention à Fred. Hein. Pas se tromper de direction. Ah, je pensais que c'est le timing back des A était un petit peu trop latif. Il l'est toujours un petit peu. La tourelle mid, bien sûr, est à pixel, mais ils arrivent à rebondir quand même. Avec un bon flanking. Bonne TP de la part de Cédric. Qui, je ne sais comment, a survécu quand même. Allez, Mi, 140 de creep. Essence River de disponible. Et en face, on a quand même un Dreamsu sur une quête avec 3 kills, sa lame d'infini et qui a bien avancé sur son niveau de max, critique. Hein. Il est complètement max. Le défaut ici, c'est peut-être le bâton séculaire de Cédric qui met du temps à arriver. On a un skilling à 10 minutes, donc la 30ème qui est visée ici, 30ème minute. Pas forcément le terrain où on a envie d'évoluer contre Victor et Vladimir. Ouais, il a fait le choix de finir son archange avant son séculaire. Ouais, comme à la partie précédente pour Seiken. Ouais. Forcément, il était un peu hard-fed, donc... Ça s'est mieux passé, même si la victoire n'était pas du côté Vitality B aujourd'hui. Et allez, une redite du match-up Ryze contre Vlad. Oui, c'est bien vrai. Est-ce qu'on va faire un Morello? C'est la question qui est sur toutes les lèvres. On va se taper des Vlad toute la journée et il n'y en a pas un qui va faire une réduction de soins. C'est grave, oh. Quand même, heureusement qu'il n'y a pas de Nunu. Absolument. Allez, 50 secondes avant l'apparition d'un second Drake. Karim KT pour contester le Red Buff. Esthétique au rendez-vous. Qui va gagner la bataille du Smite? C'est Kazé. C'est Kazé, oui, effectivement. Logiquement. Hein. Au moment où le Smite est arrivé, d'ailleurs. Hein, ce qui m'a fait vérifier sa maîtrise. Très bien. Allez, on va commencer à setup peut-être le champ de bataille autour du prochain dragon. Alors que Cédric parachève son 9 de speed push avec la récupération de cette tourelle top. Très confus hein, au niveau des positionnements des joueurs.
On peut voir ça avec un bon baromètre, c'est le farm. Ouais. On a quand même autant de joueurs qui sont à autour de 160 CS à la 20e. Oui, c'est vrai que c'est assez interpellant. C'est qu'on va, on va n'importe où. On va vraiment partout, on conteste tout avec la team. Les waves ne sont pas absorbés, idéalement absorbés, pardon. Allez, tout le monde est au rendez-vous pour ce dragon infernal. Peut-être c'est le Zbeul, un 5 contre 5 qui se profile. Ça assure la priorité du push sur la mid-lane. Côté de Cédric, le dragon est épaule. Et ils ont l'information, les MCS, ils peuvent tenter de le venir contester, mais ils tombent beaucoup trop vite. Esthétique peut-être. Non. Non, par contre, un combo. Moves, Cédric qui se fait focus, Cédric qui prend tous les dégâts de ses adversaires. Mais derrière, on a quand même le bon positionnement de Grimzou qui va chercher mieux le coup critique. Monstrueux. Oh là là. Un fight qui tourne à l'avantage des MCES, Twix. Ouais, ils ont créé un superbe fight ici, un très bon split. Le focus sur Cédric est bien passé. Karim KT qui s'est fait imploser lui aussi dès qu'il a pu lancer sa paranoïa. J'ai l'impression que Kazé a été efficace dans ce fight, très efficace même, on verra ça avec un replay certainement, alors qu'on semble s'intéresser au Baron Nashor ici, mais tellement de vision côté Against Authority que ça peut être un investissement dangereux. Il est vivant, il est furtif, mais il est vivant. Bon, c'est audacieux, c'est très audacieux ce que font les MCES, il est sur le premier temps fort, capitalisé sur le Baron Nashor, mais la téléportation de la part de Fred, ça devrait être cancel, ils se retournent tous sur lui. Fred, il va falloir courir très très vite là. Se positionne, attention les MCES là en fâcheuse posture, la peine capitale qui ne touchera personne, fort heureusement, ça devrait permettre de désamorcer la situation. Ouais, un bon leading ici, peu importe le shot caller, ces soldats écoutent, et ils écoutent bien. Donc timing reset maintenant, est-ce qu'on a assez de vision par contre côté MCES? J'ai pas l'impression hein, on va devoir aller à la pêche aux infos. Là. Oh, là. On a même pas de sweeper, on est complètement vu, une situation catastrophe. Allez Cédric qui explique à Moves qu'il n'est pas le bienvenu. Moves qui tourne les talons, qui se fait one shot par le mid laner. Le Baron Nashor qui est d'autant plus envisageable, Twix. Ouais, on est en manque d'informations ici, on y voit, il y a au moins une pick quad dans le pit. On sait pas tellement où on en est au niveau des points de vie, le mur de trappe, le mur de cupcake, attention portail transdimensionnel, on en voit. Il y aura, il y avait une super box qui peut être bonne aussi, qui a un gâté qui est pas efficace, mais le teamfight qui tourne en la faveur de Against Authority, ne reste plus que Lucian qui est viable au combat. Coup de marteau létal, Poppy qui prend le kill avec son outil de disengage. Ah, casé dans la tourmente. Lucian qui vient lui prêter main forte alors que le restant de la composition Against Authority qui continue. Ouais. Le Baron Nashor, ils sont relativement low HP. Oh, c'est dur. Attention à ce que la situation ne s'éternise pas. On a pris l'information au Blue Trinket du côté de Lucian. Est-ce qu'il va trouver combien de points de un laser magique? Parce on que y là, croit. C'est en blind. On y croit. Peut-être. Oh, on a vu un laser au moment où le Baron Nashor a pop. C'est bon. Mais ça va, Dreamsu avait le meilleur smite parmi tous. Baron invisible bien sûr. Un baron timide. Tout l'écran de jungle. Ça va être un patch assez cool hein, pour nous. C'est vrai que ouais. Pour pouvoir suivre le chemin des junglers. Ça, on va avoir une angoisse pas possible autour du Baron Nashor. Alors est-ce que ce camp existe? Oui, non. Ouais, c'est ça aussi. Quelle information doit-on croire? Est-ce qu'on a à l'écran ou est-ce qu'on a sur la minimap? Ah il est dur ce métier, hein. Il est dur. En tout cas, un timing Baron Nashor exploité pour Cédric et ses coéquipiers. Et on rappelle qu'ils ont un Rise, ce qui signifie un split push potentiel. Et regardez sur la minimap, c'est ce qu'ils comptent installer comme situation. Ouais. Ils ont un push top en leur faveur. Vers ils le envoient Rise sur la botlane qui dispose de sa téléportation et le restant des joueurs. Et au final, le 1-3-1, tel qu'on l'envisageait, Glopo, hein, le trio mid lane avec Fred, Yore et Dreams, je l'appelle Yorai et puis c'est tout parce que c'est beaucoup plus swag. Et Karim KT qui est là bien sûr en sentinelle avec la paranoïa et qui peut éventuellement décaler sur son mid laner Cédric. C'est ça. Karim KT c'est le joker un peu, il peut intervenir sur les deux lanes. On est obligé de push par contre deux lanes adjacentes, ce qui donc facilite automatiquement la défense. Exact. De toute façon il y a du farm qui est perdu sur la T2 top pour les MCES qui veulent tenir tête au push qui est en train d'être orchestré par les joueurs Against All Authority. Et voilà. On a Karim KT qui rejoint son mid laner pour débloquer la T2 bot alors que le restant de la composition attend la prochaine vague pour mettre la pression sur cette mid lane. Oh Kazé, Kazé il a une idée derrière la tête mais Kazé il est vu. Tout comme Moops, Fred, oh, voilà, qui utilise son Z pour disengage. Très bon travail de la part du top laner des triple A. Allez ça perce sur la bot lane, ça va vite. Extrêmement vite, il n'y a plus le en chasse, le combo d'esthétique. Est-ce qu'on a envie d'y aller chez les MCES? On est timide, on sait pas trop. On hésite et l'hésitation, ça ne va pas avec cette composition qu'ils sont en train de nous jouer.
Ils le veulent, cet inhibiteur, le triple A. Ils essayent de passer en force les MCES qui sont assez peu sûrs d'eux et qui vont concéder ce premier bâtiment. Allez, un inhibiteur, quand on a une civière, c'est comme si on perdait rien du tout. C'est complètement rattrapable d'ailleurs, Mi qui sera sur un danseur fantôme, donc le burst mono cible est complètement hors de question. Karim KT qui n'a aucun intérêt à aller sur Mi ici, hein. C'est la mort qui l'attend je pense avec autant de résistance. Le gage de Sterak des ADC en somme. Oh, oh, il y a de l'idée là. Ouais, est-ce que Kazé est mort ou pas? Vous le saurez après dans ce replay. Prenez vos votes sur le chat. Take your bets. Oh là là, play sur bets, pardon. Moups, il s'est fait imploser par Cédric. Ah, mais il voit rien, il a pas d'info. Il fallait que quelqu'un se fasse imploser automatiquement. Et donc, portail transdimensionnel ici. Avec Karim KT qui y va. Hein. Il monte dans le bus pour flash out. Et ainsi mettre simplement un Q-spell. 100%, pas mort, 900% vivant. On va voir ici si vous avez bien sûr réussi votre pari, le Baron Nashor qui, vous vous en souvenez, a été réengagé par les Against Authority. Alors on va voir à quel point le laser de Victor ouais. était prêt. Je pense que c'était vérité. Chaud en vrai. Hein. Sur son second cooldown. Attention. Oh, en aveugle. Hein. 4 HP je crois. C'était en aveugle, hein. C'était tellement close. Alors est-ce que Kazé a, ah, je a crois été pas. Puni? Oh l'engage, la cuisine du côté de Sivir, Yorei qui se fait focus, Yorei qui prend les poudres de Dieu, qui se fait détruire. Dreamzou peut-être le prochain sur la liste. Oh, Kazé oui. qui hésite pas à claquer la poule, très non. agressif. Dreamzou crucifié par la composition MCES de mort dans les rangs des triple A. Il s'est plus défendu qu'il n'y paraît. Mais quoi qu'il arrive, les Against Authority qui maintiennent l'avantage bien sûr dans cette game, ce sera un timing de reset. C'est le genre d'erreur qu'il faut éviter de répéter du côté des AAA. Ils ont quand même encore environ 4000 gold d'avance, mais ils ne peuvent pas se permettre de se faire catch comme ça s'ils veulent réellement pouvoir terminer la game rapidement, parce qu'il faut s'en souvenir, les MCES, ils ont un late game qui est quand même redoutable. Ouais, complètement. Il va commencer à apparaître au moment où on aura cette lame d'infini qui se fait attendre hein, quand même hein, pour Mi. Il faut du temps. C'est le fait de partir sur l'essence river en premier item. Ouais, 224 CS sur une civir à 27 minutes. Ouais, on voudrait mieux, on voudrait plus. Ça reste une trentaine de creeps d'avance sur Dreamsou, mais Dreamsou il a 3 kills. Ouais, effectivement. Et Dreamsou il est parti oui sur un appel du bourreau. Et voilà, et ce sera le joueur de la journée, le MVP. On me dit dans l'oreillette que Dreamsou il a 250 de QI. Oh, 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 Lucien. Lucian pris en chasse par Cédric, le flash out, est-ce que ça suffira? Lucian qui se fait complètement découper sous les spells de Cédric, un shutdown à 550 gold de validé. Et avec une facilité déconcertante. Vraiment aucune ambiguïté hein, au niveau du match-up entre les deux midlaners ici. En même temps c'est une optimisation plutôt burst hein, quand même pour Lucian. Et il lui manque un bon verre de potion magique pour remporter ce match-up. Allez. En plus, il a rien touché, j'ai l'impression, Cédric, en réalité. Mais bon. Y'a pas besoin. Y'a pas besoin. Oh, oh la belle capitale du génie de la part de Yorei qui one-shot littéralement esthétique. Et du coup, on a champ libre pour orchestrer un push magistral sur ce topside Twix, les MCES qui n'ont pas les armes pour tenir tête à une équipe AAA beaucoup trop motivée. 3v5, est-ce qu'on va prendre le call au niveau de Moops, au niveau de Kazé? On est 4 maintenant avec Lucian. Moops, il faut toucher beaucoup de joueurs pour que ce move soit viable. L'inhibiteur va rester en vie, c'est miraculeux. Je pense que les A vont pas laisser les choses se passer comme ça. Hein. Grimsou, mêlez ses auto-attaques, mêlez même si à Moops. C'est du bluff, il viendra pas, ils sont que 4 les joueurs de CES. On appelle l'hélicoptère et Moops qui a failli y aller. Ah, peut-être qu'un flash aurait été cool. Ça aurait été incroyable. Ouais, ouais, ouais. Ça aurait d'accord. été incroyable. Un flash combo juste avant l'activation du portail transdimensionnel Trayton de Cédric. L'aurait fait. Certainement, ouais. Certainement. En tout cas, le Baron Nashor qui est dans le collimateur de Karim KT et de ses coéquipiers. C'est pas fini, hein. On le sent. C'est pas vraiment fini. Le scaling qui est pas encore vraiment actif chez MCES, mais on s'en rapproche de plus en plus. On a vu à quel point Dreamsou était désarmé face à face avec Kazé. Un scénario qui pourrait très bien se reproduire. Allez, Kazé qui va devoir tenir tête aux vagues de super creep. Ils sont envoyés sur la botlane.
cinquantaine de secondes avant l'apparition d'un quatrième dragon. On rappelle qu'il y a déjà deux internauts et un montagne dans la poche des AAA. On est loin. Commence ce Baron Nashor, les MCES qui sont loin, effectivement. On est loin. Mais Aesthetic aura peut-être le temps, il a son flash, il a le drapeau. Est-ce qu'on pourra aller le récupérer? Il se fait contrôler. Le Baron Nashor est validé. Aesthetic dans la tourmente, l'ultime de Kalkat et qui engage. On supprime effectivement Aesthetic. Les dégâts sont monstrueux de la part des joueurs AAA, mais le fight est complètement split. C'est du 4 contre 3 pour le moment dans la jungle. Il y aurait Kalkat qui hésite à y aller. Le flash in, c'est Dick. Dreamsu qui rentre dans le fight. Moops qui se fait cesser. Les auto-attaques Dreamsu. Oh, le combo. C'est dur. Sur le joueur Aesthetic qui va tomber. Le premier. Et derrière, c'est la débâcle. Mi qui ne peut plus taper. Kalkat peut-être. Avec une nouvelle temporisation. Zonia, le boomerang. Ça touchera pas in extremis. Et les Zonia sont létaux, bien sûr, grâce au trap de Dreamsu. Dreamsu qui a peut-être la portée nécessaire. Non, ce ne sera pas le cas. Le push qui continue pour le Against Authority. Les barres de vie qui sont vraiment très faibles. Je pense pas qu'on puisse récupérer plus que cet inhibiteur Glopo. Mais peut-être qu'ils sont. Ils se sentent beaucoup plus chauds qu'on ne le pense. Deux inhibiteurs, on va traverser. Ah, il est envisageable de terminer là. Ils ont le Baron Nashor. 6 ont... secondes, 5 secondes, 9 secondes pour Aesthetic. C'est vrai que ça revient vite, ça revient vite. Ça va être les deux inhibiteurs et puis un troisième dragon internal. C'est vrai. Et on rappelle l'hélicoptère. Get to the Choppa. Un team fight pour le moins confus, mais on sent que Kazé est pas loin de faire la différence. Ouais. Par contre, Lucian, c'est vrai que c'est compliqué hein, pour le moment. Il n'arrive pas à s'exprimer. Le fléau de Lich face à Caitlyn, c'est pas le meilleur choix sur Victor, je pense. Quand c'est des carrières comme Lucian, comme Vayne, qui ont cassé peu de range, ça peut être intéressant, mais là, il n'est pas du tout menaçant pour Dreamsu. Alors qu'on revoit. Ah, il l'a sauvé, quoi, c'est incroyable. Hein. Grand dommage. Enfin, il l'a sauvé au début, bien sûr. Il s'est réceptionné dans le hook. Un teamfight dans un goulot d'étranglement comme ça, avec un Victor en vie, ça change tout, bien sûr. Superbe hook hein, de la passe, au passage. Pardon. Ouais, Yorek qui nous fait une très belle game de Thresh. Hein. Il arrive à débloquer beaucoup de situations. Ouais, Karim qui se rend étonnamment utile avec son Nocturne. Ah, ce boomerang qui va aller le frôler. Et comme je le disais tout à l'heure, les stopwatch, Zonia et autres bêtises du genre contre une Caitlyn. C'est une mort quasi garantie. Ouais, tu te fais réceptionner par un trap. Et voilà. Les anges gardiens. Trois internos dans la poche de la lineup Against All Authority. Ils se regroupent sur la mid lane, Twix, pour peut-être le bouquet final, l'apothéose sur la mid lane. Oups, qui voulait se positionner pour proposer un flank. Kensi vire wave clear. C'est un peu le défi ici. Oh, le choc gravitationnel, tempête du chaos. Aesthetic, qu'est-ce qu'il va y aller? Il a hésité, hein, ça l'a démangé. Pendant ce temps-là, Cédric qui fait peser une grosse menace en solo sur la botlane. Les MCES qui vont devoir jouer sur trois tableaux Twix, entre le push sur la mid lane, les super mignons sur la top lane et Cédric qui est à lui tout seul. Mais une pression immense sur le bot side. Ah, c'est pas mal quand même. On sent qu'ils ont de la puissance, mais c'est vrai que ce Victor Lichbane va peut-être proposer quelques lacunes, mais Kazé est capable quand même de faire beaucoup. La dernière tourelle, la dernière T30 sur Moops avec le flanking, ça touche sur le Kayana derrière, ça Dreamsu qui est sur le point de tomber. La stopwatch ici qui pourrait très bien ne pas faire la différence, et oui, ils sont deux à être tombés. Les MCES qui déclenchent peut-être le teamfight de leur rédemption. Fred qui va suivre, mais les dégâts de Cédric, est-ce qu'il peut le faire Cédric? Fred, le drapeau de la mort. Fred qui va survivre. Au secours. A tellement peu. Kazé. Tout comme Kazé d'ailleurs, qui apparemment s'est frotté un peu trop au rise de Cédric, qui a quand même 9 kills. Non. Oh, quelle erreur. Quelle erreur. Est-ce que ça suffit? Non, c'est bon, ça ira. Ça ira, c'est le genre de... c'est le genre de glissade qui peut coûter très très cher. Et finalement, le troisième inhibiteur est validé malgré une défense héroïque des MCES. Quel fight, hein. Ouais. Moops, d'expérience qui parle, on en parlait un petit peu justement avec ce remplacement Moops qui remplace donc définitivement Angry Panda au poste de support chez MCES. Et là, on a de l'anti-heal sur Ryze, on a de l'anti-heal sur Kate. Ça marche bien. Ouais, il faudrait envoyer un screenshot de tout ça à Vitality B. Avec un screenshot du Morello, un screenshot de la marque du bourreau. Vitality, c'est quoi? Les autres diètes, rien. Ça pourrait bien marcher. Hein. Ouais, très bonne réponse. Bon. Et pourtant, il n'y a que Vlad qui régène énormément en face. C'est vrai. On a un Vladimir, on a un Victor, on a une Sivir. Est-ce qu'on n'a pas le meilleur trio pour wave clear dans des situations les plus farfelues? En vrai, est-ce que deux super minions par wave, ça va être assez? On n'a pas besoin d'un Baron Nashor pour garantir la fin du match. Réponse dans quelques minutes, mais c'est vrai que pour l'instant,
Ça a l'air de tenir le coup. Oh, 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 on a un flanc de la part de Kazé. Regardez sur la minimap qui va arriver dans le dos. Dans la backline. Oh, le Tripsou et Cédric qui se font un bon combo par les midlaner jungler des MCS, pardon, top laner. Ça suffira pas. Kazé contre un fusil à stopwatch. Alors que Fred et Yoré font un gros travail en avant. Déjà deux morts des deux côtés. Cédric est vivant. Cédric est vivant. Il fera certainement la différence ici. On arrive à séparer Lucian de son dernier coéquipier en vie, Moops, qui doit céder du terrain. Lucian, il y a trop de minions, on se croirait dans Starship Troopers. Les sauterelles montent la forteresse. C'est la fin du match. Le Nexus qui tombe et les MCES qui enchaînent leur sixième défaite consécutive. Sixième défaite, Clopo. C'est dur, c'est dur, c'est dur pour MCES. On les a sentis vraiment malmenés quasiment de bout en bout face à une équipe bien triple A qui confirme, qui fait ses preuves et qui fait plaisir. Elle a des éclats de génie vraiment, ouais. Cette équipe A. Certes, cette game était un petit peu instable, il est vrai, au niveau des deux équipes, mais la gestion du Baron Ashor complètement pour Against All Authority. Bien sûr, on n'avait pas tous les éléments pour voir avec le Baron invisible, mais en termes de setup, en termes de vision, on sentait qu'MCES, à chaque fois qu'il voulait conteste, il fallait face check. C'est ça. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est ça. Ils étaient un cran derrière. Ils se faisaient punir. Hein. Je me souviens encore du face check de Moops face au rage de Cédric. Il s'est fait 100-0 en un claquement de doigts. Ouais, vraiment une game compliquée. Une composition aussi qui n'était pas forcément évidente. Mais en tout cas, manifestement, les double AP sont très à la mode. Ouais c'est vrai. En ce moment. C'est vrai qu'on en voit énormément. Cette fois-ci, on a eu double anti-heal. Et ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Un victoire peut-être. On se place un petit peu dans le loot, mais pour moi le pic de la journée, on verra avec le dernier match bien sûr de la journée qui est LDLC contre Rox qui lancera, mais pic de la journée pour moi c'est Ryze hein, pour le moment, ouais. Terriblement puissant, ouais. Alors certes pas utilisé vraiment dans les meilleures conditions, mais Ryze néanmoins surtout dans les match-ups de mage scaling contre mage scaling, donc des mages qui ont pour but d'être très très forts dans la fin de partie. Bah, j'ai l'impression que c'est lui l'empereur. Ouais, c'est extrêmement fort. Et puis, vu qu'on est quand même sur une méta qui est assez agressive, avoir un midlaner qui peut scale, proposer du split push, être efficace en teamfight, avoir un portail transdimensionnel qui est un atout de taille, je pense que ça va propulser Ryze effectivement sur les devants de la scène. À voir s'il sera pick encore une fois par la suite. En tout cas, voilà, une rencontre que j'attendais moi personnellement de pied ferme. J'en parlais pendant le pré-show, je voulais que les AAA confirment leur progression. C'est maintenant chose faite. Les autres confirmations qu'on attend, c'est est-ce que LDLC mérite cette première place face à une équipe Rogue qui a fait quand même une très belle Lyon eSport. Absolument, c'est vrai, il y a eu un très très bon résultat côté Rogue eSport à cette Lyon eSport. Donc on va voir s'ils sont capables de prendre justement une game peut-être au titan de la LFL, au titan de la scène française cette année. Hein. Je crois 19-0 actuellement en compétition, ouais. 2019 pour Team LDLC nouvelle version avec Tic et Tac alias Joko et Steelback. Réponse dans quelques minutes pour Team LDLC contre Rogue eSport. C'est tout de suite donc sur OGaming ou sur ES1 bien sûr.